the gift of gab and blessed with lots of game. Niggas be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, I got the flame. Came with the gift of gab and blessed with lots of game. Niggas be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Yup les gars, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter et à liker. La vidéo elle a commencé à même pas 30 secondes, le mec est déjà là à demander des likes. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve dans mon garage pour faire un petit unboxing et pour tout simplement monter mon nouveau carbu et 2-3 nouvelles pièces aussi esthétiques. Donc je vais monter ça, mais avant de monter ça je vais vous les montrer et on va déballer le colis ensemble. Juste pendant dans l'edit, j'ai fait semblant, vous savez, d'ouvrir le colis pour la première fois alors que c'était pas la première fois. Et regardez la puissance du cutter, il a coupé le carton et la feuille carrément. Je vous jure, j'ai changé la lame, maintenant il me fait peur ce cutter. Il a une puissance phénoménale. Bon, on est parti en tout cas pour unboxer le colis. Alors le contenu du colis il est là, mais bon, on s'en fout, on va le déballer directement. Alors juste petite parenthèse, le DD là c'est pas à moi, hein, juste la boîte, il n'y a pas de DD neuf dedans. Commande préparée par Eric, on s'en fout. Hein. Là en vrai, gros love sur Eric, merci à toi pour la préparation. Alors on va commencer, première pièce, c'est le tendeur de chaîne Most pour Sherco du coup. Hop. Donc, franchement, il est sympa. Hein. Franchement, c'est propre de ouf. C'est une petite belle pièce. Pour ceux qui savent pas, ça se met juste ici, en fait. Hop, donc ça se met comme ça sur la moto. Et c'est pourtant de la chaîne. Voilà, comme dans son nom, c'est pas très compliqué. En tout cas, c'est quali, c'est sympa. C'est des petites pièces de détails, de décoration. Mais c'est ce qui fait une moto, donc franchement, ça fait plaisir. Ensuite, petit, pas une pipe, mais un manchon de pipe pour pipe Most. Donc en plus gros diamètre parce que j'ai un gros, plus gros carbu largement d'ailleurs. Là il y a mon ancien d'ailleurs, c'était un 28. Vous allez voir le nouveau, mama, il est énorme. C'est un énorme biberon, on va les comparer, c'est vraiment impressionnant la différence. Ensuite du coup, j'ai acheté un petit boulon Most. Donc vous savez, les boulons de vélo Most, un peu décalés pour en gros éviter de casser des clavettes. Et ensuite j'ai pris 3 clavettes. Ouais les gars, je suis prévoyant, mais en même temps ça coûtait rien, du coup je me suis dit, comme ça au moins j'ai un stock. Ensuite du coup on a la pièce principale. Alors juste faut savoir que je l'ai déjà ouvert, hein. Ils me l'ont pas livré comme ça, comme des schlags avec le carbu en travers. Du coup c'est un carbu 32 Sunworld. Attendez, on va l'ouvrir, c'est un peu chiant leur boîte. Elles sont belles d'origine, hein, mais pour les emballer et les déballer c'est une galère pas possible. Ok, non vous inquiétez pas, bon je vous reprends quand c'est déballé. Hop, voilà du coup le carbu 32 SWR, PWK, donc Sunworld. C'est une belle bête. Alors on va comparer avec le 28, voilà. Alors là, ça fait vraiment beaucoup plus gros, tout simplement, je vais vous expliquer, c'est super simple. Tout simplement, en fait, à partir de 19 mm jusqu'à 28 mm, les carbus, ils ont un certain type d'usinage, donc une certaine taille. Et à partir du 28, ça passe à une taille au-dessus. Donc en gros, il y a petit corps et à gros corps. Voilà la vraie différence de taille. Alors que par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, entre un 28 mm Sunworld et un 24 mm Sunworld, la seule différence que vous allez avoir, c'est l'épaisseur de ça. Et le diamètre de ça, voilà. Sinon, niveau cuivre, ce sera la même taille. Niveau plein d'autres choses, ce sera la même taille, parce qu'en fait, le corps du carbu est le même. Bon, j'espère que j'ai été clair au niveau des tailles. Même moi, je me suis pas trop compris. Mais parce que, vas-y, pour un truc évident, que moi, je connais depuis longtemps, c'est compliqué de l'expliquer comme ça, mais... Bon, je suis pas pédagogue, les gars, je suis pas encore professeur de mécanique. Enfin bref, en tout cas, je vais monter le carbu tout seul de mon côté. Parce que tout simplement, je pense que c'est pas méga intéressant et surtout, c'est super long de filmer en même temps de faire de la méca. Donc je vais le monter. Bordel de shit de merde. Ouah les gars, la moto elle a accéléré 5, genre 5 millisecondes. Est-ce que vous avez vu à mes bras? Genre c'est parti. Genre vraiment c'est... Ouah, attendez, je crois que je vais être choqué. Elle est un peu riche. Mais tant mieux, c'est bien. J'attends de faire chauffer avant de tirer. Ouah, comment elle arrache. Elle pète un un peu, limite j'ai l'impression, je vous dis, j'ai rien touché au réglage. Genre j'ai rien touché, je l'ai posé, je l'ai mis. Et elle a l'air de tourner correctement. Elle s'arrête jamais. Oh les gars, elle était violente.
Elle a encore du couple, hein. Allez, j'ai que l'heure changée, on est parti. J'ai rajouté 12 points exactement. En gros, je suis pas un expert en réglage carbu, du coup, là je suis juste en train pas de régler le carbu, hein. Je suis juste en train de me safe pour essayer de pas casser le moteur. Ça compte que serrer un moteur juste parce que t'es pof, quoi. Donc je préfère me safe, je mets des gros gicleurs. Oh, c'est une satellisation multi-concessionnaire. C'est carrément, c'est multi-concessionnaire. Genre, ça veut rien dire. Ouah, c'est miteux, hein. Comment elle accélère, frère? Là, il y a des mécanos, ils vous disent, ouais, mettez des plus petits carbus pour gagner du couple et tout. Oh, les gars, c'est vraiment, faites pas ça, ça sert à rien. Tu gagnes rien de couple et tu perds de ouf en haut. Alors que les moteurs, c'est fait pour marcher en haut en 50. Donc vraiment, mettez des plus gros carbus. Sauf si vous voulez pas consommer, à la limite, mettez des petits. Mais sachez que vous allez vraiment en perdre en haut. Mais vraiment beaucoup. Voilà, c'était le conseil de Nicolas Baclef. Effectivement, j'ai un peu moins de couple, je le sens, mais rien de, hein, rien de ouf. Genre sur un 50 comme ça, dans tous les cas, mon couple, ça m'envoyait pas en l'air. Hein. Après, elle est aussi pas très bien réglée. Hein. C'est pour ça que j'en ai beaucoup perdu en bas. Le 28, il était bien réglé. Enfin, il commençait à se dérégler parce que les températures ont bien changé, mais globalement, c'était quand même bien réglé, on va dire. Dans la globalité. La moto prend tellement les tours qu'il faudra encore un plus gros gicleur. Quand je tire la moto en haut, elle est pauvre. C'est le stick, est-ce que... Ok, un peu, c'est là. Bon, les gars, j'ai encore changé de gicleur parce que je la trouve encore un peu pauvrinette. Là, face au gicleur d'origine, on a gagné combien? On a gagné... attends, je suis en 78, j'ai en 60, on a gagné 28 points. Donc, c'est énorme. Alors, normalement, ça devrait être bon, je pense. Sinon, ça voudrait vraiment dire que tout à l'heure, ça pouvait exploser concrètement, quoi. Non! 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 Les gars, tout ce que je viens de faire, c'était nul. Ma moto, elle est en train de passer en réserve. Mais non, mais je vais péter des... Ouah! Alors là, les gars, bah, rien que pour ça, je vous dis à tout à l'heure, là, on se reprend une fois que j'ai plus la honte. Là, vraiment, mes skins. Carbu, il est monté, vous avez vu, il marche du feu de Dieu. Là, j'ai d'autres trucs de prévu pour la moto, ce sera pas dans cette vidéo, mais je vous le dis quand même. Alors, en gros, on va changer de peau et on va aller passer la moto au banc chez l'RT. Voilà, comme ça, on pourra faire une comparaison en fait d'avant-après, donc avant le carbu et le nouveau pot. Et on va voir les différences que ça peut faire juste un carbu et un pot sur même cylindre. Vous allez voir, je pense qu'on va avoir des belles surprises niveau performance, niveau comportement de la moto, ça va être vraiment rien à voir. En tout cas, vous verrez ça en vidéo dans je sais pas combien de temps, encore que j'ai les sous pour acheter le pot, etc. Bref, encore une galère. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'intéressé par ce pot, vous pouvez me contacter sur Instagram. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié la regarder. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, un abonnement, un commentaire. Bref, vous connaissez la chanson. Et sur ce, les gars, ciao.